542 ex-combattants de Bouaké, dont 500 dans le domaine du commerce et 42 artisans confirmés, reçoivent depuis lundi dernier une formation sur le civisme, les droits de l'homme, la comptabilité simplifiée et la sensibilisation sur le VIH-Sida. Cette formation, qui va durer 2 semaines, s'inscrit dans le cadre du projet intitulé 10 065 artisans confirmés et vise à réintégrer les ex-combattants dans le tissu économique et social du pays. Ces formations sont dispensées par des consultants qui donnent à ces ex-combattants qui sont invités à la vie civile à avoir des rudiments de leur réintégration sociale au niveau de leur localité de réinsertion. Kone Aka, préfet des régions, préfet du département de Bouaké, qui a visité les ex-combattants, leur a recommandé la patience. L'un des formateurs revient ici sur les enseignements à dispenser aux ex-combattants. La première leçon, c'est les notions de civisme et les notions de morale. Nous parlons de droits de l'homme. Nous parlons aussi de la connaissance des institutions, la connaissance des symboles de l'État. Les institutions de la République, les symboles de l'État, parce que c'est nécessaire de pouvoir respecter les autorités, de pouvoir respecter les institutions pour avoir la stabilité. Et aujourd'hui, nous continuons avec la culture de paix, la cohésion sociale, parce que nous sommes sortis d'une situation qui est la guerre et nous avons besoin d'avoir des hommes qui sont réarmés moralement pour affronter la vie nouvelle. Cette formation, qui s'est faite par vagues, concerne 1000 ex-combattants issus des régions de Bouaké et du Yambol.